السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس تعلم المحادثة باللغة الفرنسية عن طريق حوارات من الحياة اليومية. في درس اليوم سنتعلم أهم العبارات والأزمنة المستعملة للتحدث في المستقبل باللغة الفرنسية. سنبدأ أولا بعرض المحادثة بدون كتابة، ثم عرض المحادثة وشرح المحادثة، وأخيرا أسئلة للفهم. Écoute bien. Qu'est-ce que tu comptes faire après la licence? Je pense faire un master en gestion et spectacle. Et toi? Moi, j'irai étudier un an aux États-Unis pour parfaire mon anglais. Ensuite, j'ai l'intention de monter mon entreprise. Tu comptes te mettre à ton compte tout de suite? Oui, je vais développer mon projet pendant que je serai aux États-Unis. Mais tu vas faire quoi? Je travaille sur une appli en ce moment. J'ai encore beaucoup de travail et je dois trouver des financements. Mais je suis confiant. Ce sera une appli gratuite? Oui, mais je ne te dirai pas ce que c'est. Ce sera la surprise. Te connaissant, ce sera forcément un truc sur la gastronomie. Eh bien, tu ne me connais pas encore assez bien. Allez, je dois te laisser. Qu'est-ce que tu comptes faire après la licence? Je pense faire un master en gestion et spectacle. Et toi? Moi, j'irai étudier un an aux États-Unis pour parfaire mon anglais. Ensuite, j'ai l'intention de monter mon entreprise. Tu comptes te mettre à ton compte tout de suite? Oui, je vais développer mon projet pendant que je serai aux États-Unis. Mais tu vas faire quoi? Je travaille sur une appli en ce moment. J'ai encore beaucoup de travail et je dois trouver des financements. Mais je suis confiant. Ce sera une appli gratuite? Oui. Mais je ne te dirai pas ce que c'est. Ce sera la surprise. Te connaissant, ce sera forcément un truc sur la gastronomie. Eh bien, tu ne me connais pas encore assez bien. Allez, je dois te laisser. ونمر لشرح المحادثة. هذا حوار بين صديقين توما وتيو. تيو يتحدث عن مشاريعه في المستقبل، لذلك استعمل أولا زمن المستقبل في اللغة الفرنسية وهو le futur simple. يوجد زمن آخر وهو le futur proche. استعمل أيضا بعض الأفعال مثل compter أي يود أو يريد أن يفعل شيء في المستقبل أو avoir l'intention de ويعني ينوي أن يفعل شيء. يوجد فعل آخر وهو penser أي يفكر فيه. يمكن استعمال هذه الأفعال للتعبير في المستقبل. لتصريف الأفعال في زمن المستقبل le futur simple نضيف les terminaisons RAI RAS RA RONS REZ RONT مثلا
Je dirai. Tu diras. Il dira. Nous dirons. Vous direz. Ils diront. يمكن أن نستعمل أيضا زمن le futur proche للتحدث في المستقبل. بالنسبة لقاعدة le futur proche نستعمل je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. ونضيف الفعل الذي نريد تصريفه. مثلا je vais faire. Tu vas faire. Il va faire. Nous allons faire. Vous allez faire. Ils vont faire. للتعبير في المستقبل يمكن أن نستعمل أيضا بعض الأفعال. مثلا compter. Qu'est-ce que tu comptes faire après la licence? Qu'est-ce que tu comptes faire après la licence? Avoir l'intention de. مثلاً, j'ai l'intention de partir en France pour étudier. J'ai l'intention de partir en France pour étudier. Penser. مثلاً, je pense faire un master en gestion. Je pense faire un master en gestion. Qu'est-ce que tu comptes faire après la licence? Je pense faire un master en gestion et spectacle. Et toi? Moi, j'irai étudier un an aux États-Unis pour parfaire mon anglais. Ensuite, j'ai l'intention de monter mon entreprise. Tu comptes te mettre à ton compte de suite? Oui, je vais développer mon projet pendant que je serai aux États-Unis. Mais tu vas faire quoi? Je travaille sur une appli en ce moment. J'ai encore beaucoup de travail et je dois trouver des financements. Mais je suis confiant. Ce sera une appli gratuite? Oui, mais je ne te dirai pas ce que c'est. Ce sera la surprise. Te connaissant, ce sera forcément un truc sur la gastronomie. Eh bien, tu ne me connais pas encore assez bien. Allez, je dois te laisser. ونمر لأسئلة الفهم. Thomas compte faire quoi après la licence? ماذا يريد أن يفعل Thomas بعد حصوله على الإجازة؟ Théo compte faire quoi après la licence? ماذا سيفعل Théo بعد حصوله على الإجازة؟ Il va parfaire son anglais et développer son projet d'appli. يعني كما قلنا هو سيسافر إلى أمريكا لتحسين لغته الإنجليزية. أيضا لتطوير مشروعه حول تطبيق appli أو application. Il sait qu'il s'intéresse à la gastronomie. يعني هو يعرف أن تيو يهتم بالطبخ. Théo et Thomas habitent aux États-Unis. هل صحيح أن Théo وThomas يسكنان في أمريكا؟ Théo s'intéresse à la gastronomie.
صحيح أن تيو مهتم بالطبخ. إذن الجواب تيو وتوما لا يسكنان في أمريكا. بالنسبة للسؤال الثاني، نعم تيو مهتم بالطبخ.